Les conseils du gouvernement pour protéger vos proches si vous sortez. Symbole tout droit réservé. Ministère de la Santé. Il existe bien des cas particuliers confrontés au confinement, notamment pour ceux qui doivent toujours se déplacer pour travailler, et dont les proches sont fragiles ou âgés. Pour toutes ces personnes, le gouvernement a publié depuis plusieurs jours déjà une infographie qui énumère les différents cas de figure.